Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, je vais vous faire une illustration de la réalisation d'un dessin d'observation. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble les consignes à respecter pour effectuer un dessin. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une illustration, un exemple de la réalisation d'un dessin d'observation. J'ai pris comme exemple la mitochondrie. Alors, vous suivez avec moi les consignes à respecter. Alors, tout d'abord, on doit commencer par tracer l'organite cellulaire. Voilà, maintenant je vais tracer la membrane interne. Donc je dois laisser ici un espace intermembranaire. Et voilà. Voilà, maintenant je vais passer à la réalisation de la légende. Donc je commence par ici. Je dois faire attention, la tête de la flèche ne doit pas franchir la membrane externe. Donc, ça ne doit pas franchir la membrane externe. Donc j'écris ici membrane, membrane externe. Voilà, ça s'appelle espace intermembranaire. Donc, je mets une flèche ici. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, les deux flèches doivent être parallèles et linéaires. Et leur terminaison doit être située sur le même niveau. Donc, toutes les terminaisons doivent être situées sur ce niveau-là. Ça, c'est un espace intermembranaire. Et ça c'est la membrane. Inter. Comme je l'ai déjà dit, la tête de la flèche doit être située sur l'élément. Maintenant, on passe à l'élément suivant. Ça, ce sont les crêtes. Crêtes, en arabe, on les appelle orf. Et enfin, la matrice. Ça, c'est la matrice de la mitochondrie. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, toutes les terminaisons des flèches sont situées sur le même niveau. Les lignes sont linéaires et parallèles. Maintenant, ça nous manque uniquement la légende ou bien le titre. Donc, je vais faire le titre. Ça, c'est une représentation. Schématique de la mitochondrie. Je peux encadrer le titre si vous le voulez, vous pouvez l'encadrer et vous pouvez également encadrer tout le dessin. Donc, toute cette partie-là, vous pouvez l'encadrer. Autre chose, si vous voulez ajouter une valeur, vous voulez améliorer la représentation de votre dessin,
Vous pouvez utiliser des fluorescents pour donner une valeur ajoutée à votre travail. Voilà. Le titre, je le trace avec une autre couleur. Voilà. Et voilà, les consignes sont très simples. Vous créez une valeur pour votre dessin. Ça permet de le dessin qui bien représenté. Le prof le dessin qui la note totale. Donc, j'ai fait cette vidéo pour éviter qu'elle perd des notes facilement. Juste pour rien. Donc, je rappelle sur les consignes que je viens de dire. Donc, les lignes doivent être linéaires et parallèles. Les terminaisons doivent être situées sur le même niveau. Et la tête de la flèche ne doit pas franchir l'élément sélectionné. Si je veux faire la légende de la membrane externe, la tête de la flèche ne doit pas franchir la membrane externe. J'espère que c'est clair. Et vous pouvez me laisser vos commentaires ou bien vos questions dans la partie des commentaires. تقدروا تخليوا لي الاقتراحات ديالكم ولا التساؤلات ديالكم ولا شنو بغيتوا نخدم معكم في لي فيديو اللي جايين. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci.